Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir tout le monde. Sur TV lacayhaiti.com. Jeudi, c'est vendredi et c'est début week-end là. Nous comptons avec vous après-midi pour nous porter et toute première vidéo nous pour nous continuer informer sur actualité yo et tout gros titre yo tout gros point cap dominé et donc actualité dans pays d'Haïti ou pral jwenn dans vidéo ça. Ancien colonel Imle Rebu, nous connaît qui c'est ancien officier l'armée d'Haïti. Et ben matin là, monsieur confirmé toute bagaille et ou pral saisi tendez. Et ben gros décision qui pral prendre là bon côté dirigeant l'armée d'Haïti yo, et ben pour l'armée elle même li déployer, l'on dit déployer c'est pour déployer pour faire face avec bandi yo, c'est pas pour déployer pour seulement aider et ben protéger par les national. Non, la déployer mesdames et messieurs avec la police pour nèg yo faire face carré avec ti messieurs avec zam yo. Et vous pouvez saisir tant de gros décisions qui prennent tout bon côté américain pour être capable d'annuler une loi qui existait qui empêchait donc les pays les États-Unis vendre Haïti zam vendre l'armée d'Haïti zam. Et ben décision ça là selon le colonel là qui pourrait vraiment bon pour pays là parce que faut que Haïti rivent les mes amis pour nous délivrer. Nous pas gagner l'armée d'Haïti là même si l'armée a pas un gros l'armée tête chargée mais tellement de jeunes garçons jeunes femmes qui fait partie l'armée ça qui pas fait rien. Alors, ce que tu as utilisé, moun sa yo pour être capable de faire face à Bandio et aider la police goumé. Et bien, fois ça, colonel Imle Rebu, mesdames et messieurs, qui confirme tout bagay que nous pral fort tande dans la vidéo ça, parce que c'est vraiment bonne nouvelle. Si toutefois que, eh bien, ça nous pral tande à ta fête vrai, et n'a dit, pays après le on souffle, pays après le connaît, donc il y a un nouveau et visage pays après le, eh bien, délivré. Fois ça, c'est fini pour tout nèg exam fois ça, c'est fini pour tout malfoi malveillant dans pays ça. Gorel mesdames et messieurs dans grandance pays a précisément dans ville Jérémy, eh ben côté Yokembe et directeur départemental police Jérémy en envolant camion, nous pral inviter autant de mesdames et messieurs, eh ben comment ça te? À ce jour dia là, question nèg nèg autorité dans l'état cap fait droite longue supérieure. Eh bien, faut que nous détente nèg sa yo et depuis nous détente yo faut que yo prend et donc et sanction et mette nèg yo en côté pour machine pas frapper parce que pas cadre autorité pour voler camion ministère te fait pays d'Haïti cadeau pour le vendre pour combien mille goud. Non, c'est pas possible. On écoute pour plus détails n'a pas tourné de notre réunion là. Nous dit dans les restes histoire. Très bien, alors nous t'ai besoin et tendez avis pas comme yon et comme militaire, parce que pas grand c'est militaire ou militaire pour la vie. Et le sénateur et Marco Rubio, je dis à qui font une grosse déclaration en faveur d'Haïti, en faveur de l'armée d'Haïti, l'a mené en plaidoyer donc auprès de l'administration donc Biden et pour États-Unis ta et levé embargo. Alors selon déclaration qui relayé par Miami Herald, donc il plaidait en faveur d'Haïti, en faveur de l'armée d'Haïti. Pour États-Unis, tu as fait ça au connu, si vous voulez aider Haïti. Et vraiment, donc, en matière sécuritaire, donc, et puis tu as levé embargo aux amenants pour l'armée. Parce que tu crois que l'armée, et tu as doué aujourd'hui, donc, et combattre gang yo et avec la police. Donc, y a telle déclaration, ou pensez que nous-mêmes, nous avons saisi l'opportunité ça, pour nous faire un débat sur lui? Bon, c'est un bail que nous avons doué préparer sur le plan technique. Parce que nous voulons, que nous pas voulons, les États-Unis ont obligé de tourner autour de questions. Ça n'est pas capable de résoudre dans l'immédiat parce que c'est une loi qui est liée. C'est une loi qui mettait en embargo sur Haïti. C'est une loi qui empêchait l'armée américaine de gagner relation, le gouvernement américain de gagner relation directe dans l'utilisation des matériels létaux. C'est-à-dire que des armes qui sont capables de faire la mort à l'armée d'Haïti. Très bien. Mais les États-Unis toujours dit de manière très claire, ils n'ont pas le droit pour empêcher Haïti de prendre décision en ce qui concerne leur armée. Ils ont une loi la caillou qui empêchait que vous vendez matériel militaire à l'armée d'Haïti. Maintenant, position sénateur ou bio. Bon, moi-même, moi capable de m'être anticipé depuis quelques temps, au point que me demandaient certains camarades de faire une survey sur le matériel militaire à avoir. Parce que le matériel militaire, ce n'est pas matériel qui est la mort.
par exemple, le matériel de transport, le matériel de communication, et le matériel et de d'habillement, et les équipements, c'est deux bagailles qui ont gagné droit bas où, et sur plus bagailles qui ont caractère l'état que, ou pas capable de jouer la caillou, ou capable de jouer ailleurs. Par exemple, un pays comme l'Équateur, un pays comme le Mexique, il y a des relations avec nous en matière d'échange militaire. Dernièrement, nous avons des délégations qui étaient parties, qui ont étudié l'utilisation des drones dans le cadre d'une campagne. Donc, c'est un monde qui en Haïti, okay, ou bien pas tellement qu'on est, ou bien timoré, parce que combat pour nous qu'on est. Je dis à l'état-major dépend totalement de la volonté du ministre Enol Joseph. Ouais, de la défense. Ouais. C'est lui-même qui décide de tout bagage. C'est lui-même qui va grade dans la même année. Ah bon? Oui. C'est lui-même qui décide qui moun kap gen grade, qui moun ki pap gen grade, et quelque part qui met en sorte de désordre dans l'organisation de l'armée. Parce qu'on est l'armée qui fonctionne de manière hiérarchique, en hiérarchie droite. Très bien. Li pa pran li influence latérale yo créer de sorte de déstabilisation là-dedans. Il y a une situation comme ça présentement. Maintenant, situation nous gen là que nous voulons que nous pas voulons, l'a abouti à une utilisation des forces militaires. Maintenant, ce monsieur militaire qui là qui pour préparer yo, préparer en ce sens. Si on mande aujourd'hui à qui ça a besoin en matière de matériel, de équipement et d'armement, c'est trois bagages différents. Matériel, équipement, armement. C'est trois bagages différents. Mais il faut qu'on liste qui tout près. Parce que c'est ça, là où est Bob Retevin, il parle avec mon cap dirigé à Haïti. Il n'y a pas de sentiment que vous bien comprenez. Ça y a fait ou bien antisaurier, c'est vrai. Pour qui ça? Parce que nous n'avons pas préparé du point de vue intellectuel et organisationnel sur le papier. Sur le papier. Pour vous, capitaine, c'est un travail que moun ki nan état-major aujourd'hui n'a pas besoin d'autorisation pour ça. Ça veut dire que vous établi contact. Qui ça d'abord, même, colonel Himmler, oubi que l'État haïtien est capable de faire qu'on y a là, sous question ça, ou du moins sur l'armée, ou bien, au état-major, l'armée? Toute action est d'abord dans la pensée. Si tu n'as pas une pensée, tu ne peux pas avoir une action ordonnée. Oui, c'est clair. Moi-même qui suis un officier qui n'est pas actif dans l'armée, même je travaille régulièrement sur tout document organisationnel, sur officier que nous sommes capables de mobiliser pour la réouverture de l'académie militaire, sur officier qu'on est capable d'utiliser au niveau des services de renseignement, sur officier enrôlé qu'on est capable d'utiliser nos organisations en prévision de, c'est pas de mouille, vous pouvez aller le mettre en action parce qu'on va gagner un pouvoir pour ça. Mais si une situation présentée, par exemple, où vous imaginez qu'on y a pas devant, vous avez dit qui matériel et équipement que vous avez vu, me dit pas qu'on est. Ouais. C'est pas normal. Donc, vous avez dit qu'on s'est service par chem parabellum. Si vous faites la guerre, si vous souvlez la paix, c'est la guerre, vous préparez pour préparer la guerre. Pour que vous je dis à moi-même, je connais mon yo côté nous capables. Nous avons deux catégories de monde. Nous avons deux catégories de monde souterrain qui cap renforcer les rangs de l'armée tout de suite. Nous avons l'autre catégorie de monde qui est à l'extérieur, qui a expertise, qui connaît l'utilisation matérielle et équipement moderne. C'est un pile haïtien qui passe dans l'armée française, l'armée américaine, l'armée canadienne, qui ont le savoir-faire, qui est immédiatement mobilisable. Très bien. Donc, si on m'a dit, je connais deux, trois communications publiques qui ont fait, et pour récupérer mon sao, et je connais par exemple tout le monde qui est disponible à l'étranger, je connais habitué avec matériel et équipement moderne. Très bien. Maintenant, je connais côté pour joindre tout. Donc, je ne suis pas dans une situation quand nous sommes là, et puis je n'ai pas de réponse à des problèmes. Maintenant, le matériel létal. Mais mon cap veut nous perdre pile côté, ou bien le Brésil, ou bien l'Afrique du Sud, ou bien l'Afrique, ou pile côté Capabedo. Mais nous avons pris précaution pour éviter, dans la situation où il est là,
de bagages qui ont heurté les États-Unis qui ont un problème avec lui déjà. Et pas possible. En tout cas, pour l'histoire et la vérité, colonel Imler Rebu, on t'y rappelle, le président Jean-Paul Aristide était pris décision pour craser l'armée à Singadil comme ça. Maintenant, les équipements de l'armée, ça ne dégaine comme équipement. Côté bas, ça ne dégaine pas. Côté au passé. Il y a un pire que les Américains ont été saisis, ont été détruits. Il y a un pile de matériel que nous-mêmes nous devons en bas fil de paix. Okay. De matériel aviation que nous devions vendre avec un pays comme les Philippines. Nous avons des avions qui ont des missiles sur eux. Ah, nous avons des avions qui ont des missiles sur eux. Oui, oui. Nous avons 6 avions que le président Duvalier était acheté en Italie. Si il a marketé à Eurélie. Nous avons des missiles air-air, air-sol. Wow. Le nom l'armée d'Haïti de fait acquisition avion ça yo. Pas oublier que nous avons 48 objets volants et avions de reconnaissance et avions de transport, hélicoptère. Donc nous avons 48 objets volants, et dit entre avion avec hélicoptère. Avion, hélicoptère, avion de transport, avion de reconnaissance et hélicoptère de transport. Hélicoptère et de reconnaissance, donc il y a tout. Donc, Amérique n'est pas tout ça en net? Non, non, il y a un pile, grand pile, et c'est mon nom la médaille qui te venu, le beau chef qui te venu. Qui te venu? Le te venu à Philippines. Oh. Et puis, le président qui vient faire coller là, Amérique est rentré, et il te prend tout, par exemple, tout document. Et sous renseignement, tout personnel là, mais aux États-Unis, et général Guide Shelton, général Guide semble avec Raoul Cédrasta, il te mettait toute bibliothèque 4 général là, non conteneur, ni bibliothèque académie militaire, tout, il te chargé sous bateau aller aux États-Unis avec eux. Toute bibliothèque, académie militaire. Académie militaire, grand quartier général des forces armées d'Haïti. Tout est document. Si je dis, nous devons être dossier comme officier, bien que Raoul avec Silva, t'as le dossier, mais tu dois être là de nous. Tu es un pile et bagaille et jugement que tu fais pour l'armée. Tu es un tout. Nous devons un document qui est près de 1 mètre en de l'eau. Moi, je vois à peine un document de 12 cm que nous tirons pile à suivre là-dedans, enfin, mais reste aux États-Unis. Donc, il y a un pile de bagages qui sont capables de faire pour nous. Et conseil que moi-même, je suis capable, comme son bail public lié, parce que j'ai évité de prendre contact avec l'élément d'état-major, parce que nous sommes éléments subversifs naturellement, je ne veux pas les mettre en position délicate, même profiter de l'occasion, ça. Et que matin débat n'a pas ouvert son discussion, n'a pas parlé de discussion ouverte. Il y a un travail que nous sommes capables de faire, nous sommes capables de faire observer sur qualité, typologie, ZAM, hélicoptère, drone qui en circulation au niveau du monde, je dis, catégorisé, qui ça y a loi mandé les États-Unis, qui pas l'étal, et ça qui l'étal, côté nous sommes capables de venir. Parce que si je dis, nous avons une bonne couverture aérienne, nous pas capable résoudre le problème des restes là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est deux travail que vous êtes capable de faire. Et il y a un listing de anciens. Hier matin, il y a un sergent qui a parlé avec Wendell Théodore, qui toujours, nous toujours un échange. C'est le monde qui a des restes, c'est le monde qui fait Afghanistan, qui fait Irak, qui fait la Syrie. Mm-hmm. Donc, c'est le monde qui a une certaine expérience et qui a un désir, volonté pour aider Haïti. Donc, plus le monde qui comprend qu'il y a besoin d'autorisation les États-Unis pour ça, c'est pas vrai. Les États-Unis. Après de là, ça, c'est un conteneur. Son conteneur que le ministre a passagé de même, il était fait au commissariat ville Jérémy en cadeau. Et nous connaissons le ministre fait cadeau en pile conteneur, en pile maison préfabriquée, en pile et bladeur. Bladeur, c'est ça, nous mettons de l'eau, bien nous mettons gaz là. Et également, il fait cadeau en pile et safety tank, tout. Safety tank, c'est pour et peut-être côté
et pour mettre dans la toilette hygiénique et pour bon normalement nous dans zone là nous connaissons Jobo am lui même lui pas parler voir Jobo am n'a pas de là qui laisse l'ordre du monsieur Jobo ah monsieur ça que les monsieur vend toute bagaille net ça veut dire c'est ça nous connaît policier qui quittait ici quand la bagaille monsieur vend tout. Nous, live, là, commencer à monter, partager, j'en obtiens de là, c'est un conteneur que le ministre lui-même, il fait commissariat Ville Jérémy Akado. Et bien, il faut qu'on ait que le directeur départemental, là, avec Akolitli, avec l'autre monde, il a choisi voler conteneur ça. Il faut appeler le chapeau en son nom, il a volé conteneur ça. Côté information qui vient, je nous fais, nous connaît que conteneur ça, libre aller dans la commune Beaumont. Beaumont l'a mette tête sur route nationale, libre aller Beaumont. Et bien, continuez là, nous capables de connaître que grâce surtout à vigilance et délégué départemental là. Et dans ce sens-là, nous capables de faire connaître que nous bah délégué en gros coup de chapeau. Nous bah délégué en gros coup de chapeau. Nous dit délégué à Kembela, nous dit délégué à bravo pour ça parce que population lui-même et maintenant fait nous connaître que et petite la grandance, petite Jérémy, toujours après et remet ça Jérémy a fait. Ça veut dire que Jean regarde là et nous gagne délégué sur écran là avec équipe lui et nous dit délégué bravo, ça nous bat bravo pour lui et ceci et live la gueta monter comme on live la monter haut là. Live la gueta monter, partagez. Le bon délégué qui sorti dans cette mouche. C'est bataille ça que nous besoin la Kaili. Et des pays, un petit peuple à gourmet, parce que je dis, nous pas quelqu'un qui prend nous l'engorger ou qui vient à pousser nous. Je dis, c'est une baguette monde qui pourrait présenter nous valablement et l'autre en balle. Et je pense que ça délégué à faire à l'IFEL, il va faire pour tête, il va faire pour débattre. Pour débattre, mon gars, ça. Et je m'en fais connaître que tout à l'heure, dans petit parler, me dégage avec délégué, je fais connaître que. Et si tu as un sous-commissariat qui devrait aller ériger du côté de. Il doit être au courant, c'est le premier monde qui doit être au courant. Mais, comme. Et délégué a fait qu'on est tout, et directeur police, les mêmes qui apprennent les affaires, et qui apprennent les décisions qu'ils veulent. Partagez la montée, ça n'a pas gardé là son conteneur, et ils ont apprendu là, c'est Tigan Gati Fanfan, lui-même, c'est lui-même qui chauffe un pays, c'est lui-même qui baille l'ordre. C'est lui-même qui baille toute bagaille, c'est lui-même qui fait tout ça que lui voulait faire dans le département Grand-Est. Eh bien, Jean Junior Medina, petite garçon.